pour trouver. Et bon début de semaine. Excellent début de semaine, nous voulons dire. Oui, et que le shalom du Seigneur, la paix qui surpasse toute connaissance, soit Amen. Sur vous, sur vos maisons et vos familles, Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc aujourd'hui, on est là encore pour adorer l'Éternel. Que voulez-vous que cette semaine soit? Comment voulez-vous que cette semaine soit? Comment voudriez-vous passer cette semaine? N'est-ce pas avec le Maître? N'est-ce pas avec l'Éternel? N'est-ce pas dans sa présence? Sa présence qui nous conduit, sa présence qui nous assure tout ce dont nous avons besoin, sa présence qui nous apporte l'abondance, sa présence qui nous apporte la force, la joie. Alléluia. Alléluia. C'est dans sa présence que nous devons puiser. Dans sa présence, nous pouvons puiser la source qui est la source de la vie. Nous pouvons vraiment nous abreuver et recevoir le maximum que le Seigneur a prévu. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, ce matin, nous allons confier notre semaine. Alléluia. Parce que le Seigneur a déjà tracé un plan. Seigneur, il a merci. Un plan de paix et de bonheur. Ce plan merveilleux que tu as, Éternel, pour cette confions semaine. Confions notre semaine entre les mains du merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette semaine. Confie votre famille. Éternel, merci, Père. Ce moment merci, entre Seigneur, les mains mon Dieu. Du Seigneur. Merci, Père, parce que cette semaine est bénie. Parce que c'est merci, toi qui Père, parce que tu es là. Merci Père parce que tu nous remplis de toi. Merci Seigneur parce que, ô Éternel mon Dieu, avec toi Seigneur nous y arrivons. Avec toi Seigneur nous faisons des choses extraordinaires et exceptionnelles. Seigneur moi je sais que cette semaine Éternel va être différente. Elle va être différente parce que Éternel ta présence est là. Ta présence est là. Encore plus forte Éternel dans ma vie. Encore plus forte pour la vie de mon frère et de ma soeur. Ta présence est là. Ta présence est là. Oui Éternel ta main nous touche. Ta main touche ma famille. Ta main Seigneur mon Dieu touche tout ce que je suis. Oui Éternel ta présence. Ta présence. Ta présence Éternel. Nous bénissons ce jour qui est rempli de toi. Nous bénissons ce jour qui est rempli de toi. Oh nous Dieu, bénissons ce jour présence. Éternel. Oh mon Dieu, oui, ta présence. Seigneur, ta présence. Ta présence, ta présence. Éternel, ta présence dans ma vie. Ta présence dans ce que je suis. Ta présence, Éternel, mon Dieu, dans mon couple. Ta présence dans ma maison. Seigneur, l'ennemi va essayer, va venir, Éternel, avec ses suggestions, Éternel. Mais Père, ta présence en moi est forte. Ta présence en nous est forte. Ta présence dans notre famille est forte. Ta présence. Éternel, je ne veux, éternel. Je veux pas me laisser distraire, Éternel. Je ne veux pas me laisser distraire, Éternel, par Éternel des épreuves, me laisser distraire par des tentations, me laisser distraire, Éternel, mon Dieu, par le monde, le diable, la chair. Je veux, Seigneur, mon Dieu, Père, rester connecté à toi tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Cette semaine, Éternel, je la dédie de manière particulière à toi. Oui, Seigneur, ta présence est là. Ta présence me conduit. Ta présence me dirige. Ta présence me fait du bien, ta présence Éternelle, ta présence Éternelle, c'est ta présence Éternelle que je veux, c'est de ta présence Éternelle mon Dieu dont j'ai besoin, ta présence Éternelle mon Dieu, ta présence j'en ai besoin car Éternel c'est là où je peux vivre dans la pureté, dans la sainteté, dans ta présence Éternelle, dans ta présence avant de prendre une décision, dans ta présence. Alléluia, la présence de l'Éternel, la présence l'Éternel nous fait du bien. La présence de l'Éternel, Seigneur, ta présence. Ta présence, Seigneur, ta présence. Ta présence, Seigneur. Soit l'atmosphère, dans tout ce que nous partout nous irons. Alléluia. Partout nous Éternel, dans nos familles, dans ce que tu nous précèdes, que tu nous accompagnes et que tu sois Emmanuel. Emmanuel dans nos familles. Que ta présence se manifeste dans la dimension de l'Éternel. Désirons la présence de l'Éternel. Que ta présence se manifeste dans la dimension de l'Éternel. Désirons la présence de l'Éternel. Alléluia. Désirons la présence de l'Éternel. La présence de l'Éternel dans votre propre vie quand vous êtes seul. La présence de l'Éternel dans votre couple. La présence de l'Éternel dans votre famille. Alléluia. La présence de l'Éternel. Seigneur, je désire ta présence. Je désire ta présence, je désire ta présence, ô Éternel, ta présence dans ma vie, ta présence dans ce que je suis, ta présence Éternel, mon Dieu, ta présence cette semaine, nous voulons Éternel, mon Dieu, ta présence.
ta présence, Père. Moi, je désire ta présence. Alléluia. Je te veux éternel dans ta grandeur, Seigneur. Je te veux dans ta fidélité. Je te veux, Seigneur, mon Dieu éternel. Je te veux, ô Père, dans ta profondeur. Je te veux dans ta grandeur. Je te veux. Je te veux, Seigneur. Je te veux. Je veux arrêter, éternel, de regarder, d'avoir le regard, Seigneur, fixé ailleurs, éternel. Je veux, Seigneur, mon Dieu, être là dans ta présence. Ta présence, Père. Ta présence. Ta présence, éternel. Dans nos vies, ta présence. Seigneur, ta présence. Ta présence. C'est pourquoi nous approchons avec assurance. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Car toi seul es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, j'ai besoin Seigneur, de ta nous te présence. Cherchons. Mon frère et ma soeur ont besoin de ta présence. Te cherche. Seigneur, nous mon Dieu, nous avons besoin Laisse-toi de ta présence. Ce matin. Ta présence éternelle, c'est ce dont nous avons besoin pour mener une vie, Seigneur, agréable sur terre. Seigneur, ta présence, Père. Ta présence. Oh mon Dieu, ta présence. Ouvre-nous les yeux. Au nom de Jésus. Dans ta présence. Au nom de Jésus. Que nous puissions admirer ta gloire. Que nous Alléluia. Puissions contempler ta gloire. Alléluia. Toi qui es assis Alléluia. Sur le trône très élevé. Il y a un niveau de la présence de Dieu. Il y a un niveau de la présence de Dieu où la maladie ne peut pas accéder. Alléluia. Il y a un niveau de la présence de Dieu où les problèmes ne peuvent pas accéder. Il y a un problème de la. Il y a un niveau de la présence de Dieu où l'ignorance n'accède pas. Ça veut dire que ta présence, la présence de Dieu, la présence de Dieu, c'est ce dont nous avons besoin. Alléluia. 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 Pour apporter la guérison à vos membres. Apporter la guérison dans ce que vous êtes. Apporter la guérison, la solution à tous les problèmes que vous traversez. Seigneur, ta présence. Père, ta présence. Mon Dieu, ta présence, Seigneur. Seigneur, ta présence, Père. Pas seulement éternel, mon Dieu, parce que, oh éternel, nous sommes connectés ici que nous demandons ta présence, mais pour de vrai. Seigneur, je demande ta présence. Je veux ta présence, éternel, dans ma vie. Je veux ta présence. Je veux, Seigneur, une semaine différente. Éternel de toutes les semaines. Je veux une forte présence de Dieu dans ma vie. Une présence de Dieu éternel. Oh, qui se fera sentir éternel. Partout où j'irai, partout où je serai. Je veux dégager la présence de Dieu. Je veux, Seigneur, par manière de parler, par manière quand j'ouvre la bouche, que je dégage la présence de Dieu. Parce qu'elle est tellement forte. La présence de Dieu qui opère des miracles autour de nous. La présence de Dieu qui opère des miracles. Seigneur, je ne prie pas un homme. Je ne prie pas un homme. Je prie le Dieu grand. Je prie le Dieu fort. Je prie le Dieu formidable. Je prie celui qui est mort pour moi sur la croix. Je prie, je prie, je prie. Je prie celui qui a créé le ciel et la terre. Je prie, Seigneur mon Dieu. C'est lui qui m'a aimé le premier, qui m'a appelé. Seigneur, je te prie, toi, Seigneur. Viens, éternel, c'est ta présence. Je la veux forte. Je la veux forte. Je la veux profonde. Je veux me perdre. Éternel dans cette présence, que mon intelligence éternelle se laisse gagner par ta présence. Éternel mon Dieu, que Seigneur ma faiblesse, oh mon Dieu Seigneur, se laisse gagner par ta présence, de sorte éternelle que je puisse avoir cette force, la force de Dieu, la force de Dieu. Alléluia. Seigneur, ta présence. Ta présence éternelle. Ta présence. Seigneur, ta présence dans ma vie. Ta présence. J'entre éternel. J'entre dans ce lieu secret où je peux rencontrer mon Dieu. Où je peux rencontrer mon roi. Où je peux rencontrer le Dieu qui est mort pour moi sur la croix. Où je peux rencontrer. C'est lui qui m'a tout donné. C'est lui qui ne m'a rien privé. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu m'as privé de rien, Seigneur mon Dieu. C'est toi, éternel, que je veux rencontrer. Je viens d'encontre. Papa, mon papa, que je rencontre dans le lieu secret. Seigneur, c'est là où, Père, je peux te saisir, Seigneur mon Dieu. Là où je peux te voir. Là où je peux parler avec toi. Là où je peux te dire, Seigneur, ce qu'il y a au fond de mon cœur. Des choses que tu connais déjà, que tu peux voir. Seigneur mon Dieu, dans ta présence.
Seigneur, dans ta présence. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on fait dans la présence de l'Éternel? Que fait-on dans la présence de l'Éternel? Comment on se tient et comment on marche? Prie pour que l'Éternel te t'aide, que tu ne sois pas maladroite dans sa présence, mais que tu saches dire ce qu'il faut, que le Saint-Esprit te remplisse, que le Saint-Esprit te remplisse, que le Saint-Esprit te remplisse et te révèle les choses que tu dois faire dans la présence de l'Éternel. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, viens me conduire, viens me conduire dans le secret, dans le secret de mon Dieu. Viens me conduire, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens me conduire. Saint-Esprit, viens me conduire. Je veux rencontrer mon Seigneur. Je veux rencontrer mon Sauveur. Saint-Esprit, je veux rencontrer celui qui est. Alléluia, je veux rencontrer mon Papa. Saint-Esprit, conduis-moi. Révèle-moi comment faire. Révèle-moi comment faire. Alléluia, Seigneur, fais-moi asseoir à ta droite. Révèle-moi, Alléluia, révèle-moi. Fais-moi asseoir à ta droite. Comment, qu'est-ce que je dois dire là-bas? Comment je dois me comporter? Comment je dois adorer mon Papa? Sur toute opposition. Comment je dois faire? Saint-Esprit, viens me remplir. Saint-Esprit, viens me remplir. Saint-Esprit, viens me remplir. Oui, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta force. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Alors conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi. Viens, Seigneur, me révéler. Conduis-moi, Père. Conduis-moi dans ta présence. Conduis-moi, Seigneur. Aide-moi, Père. Aide-moi, Seigneur, à me tenir. Tu es tellement puissant, Seigneur. Tu es tellement puissant. Aide-moi à me tenir, Seigneur. À me tenir dans ta présence. Aide-moi à me tenir, Seigneur, devant toi. Aide-moi, Seigneur, à me tenir. Alléluia. Comment parler? Comment faire? Comment maintenir ta présence éternelle, mon Dieu? Oh, éternel dans ma vie. Seigneur Jésus, c'est toi que j'élève. Viens m'expliquer tout ça. Viens me remplir de toi. Viens me parler. Viens parler à mon âme. Viens parler à mon esprit. Seigneur mon Dieu, je veux être à toi pour toujours et à jamais. Merci Seigneur. Dans toute la dimension, Seigneur, du ministère, du mandat que tu nous as donné. Merci Jésus. Merci pour cette position élevée que tu nous as donnée. Alléluia. Nous te bénissons, Alléluia. Car dans ta présence, Alléluia. Tu ne nous mets pas simplement en face de toi, ô Père. Tu nous mets à tes côtés, à ta droite. Tu as dit, assieds-toi à ma droite. Alléluia. Jusqu'à ce que je ferai Jésus, de tes ennemis Jésus, ton marchepied. Jésus, c'est la position Jésus, d'honneur que tu nous as donnée. De nous asseoir côte à côte avec toi. Afin que tu nous parles de la dimension de l'intimité. Que nous ne soyons pas loin, que nous ne soyons pas loin, mais que nous soyons tout près de toi, mon cœur, côte à côte. Oh oui, Seigneur, mon âme, c'est ici que tu nous révèles Seigneur, toute ta volonté. J'ai soif de toi. Que notre je veux cœur, te voir Seigneur, différemment reçoit, cette semaine. Reçois, Seigneur, je veux que ma vie, Seigneur, soit encore fraîche, plus transformée, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, ta présence, Père, ta présence. Si tu n'arrives pas à prier, il y a quelqu'un qui a envie que sa vie de prière soit restaurée. Que le Seigneur vienne restaurer ta vie de prière. Que le Seigneur vienne restaurer ton intimité avec lui. Prie et dis cela à Dieu. Demande au Seigneur de te restaurer. Demande au Seigneur de restaurer ta vie de prière. Demande au Seigneur de restaurer ta vie de prière. Demande au Seigneur de restaurer tout ce que tu fais avec lui. Alléluia. Seigneur mon Dieu, ma vie de prière, elle monte et elle n'arrête pas de monter. Ma vie de prière monte. Ma vie de prière monte. Ma vie de prière monte. Elle est restaurée. Je ne suis pas, Seigneur mon Dieu, une chrétienne éternelle, un enfant de Dieu juste comme ça. Je suis un enfant de Dieu qui sait craindre l'Éternel. Je monte, Éternel. Je
monte, je monte avec l'Éternel, je monte et je vais plus loin avec lui, je vais plus loin avec celui qui m'a racheté, je vais plus loin, alléluia, avec le Seigneur. Je sais, Éternel, écoutez la voix de l'Éternel et mettre en pratique ce qu'il dit. Je veux voir, Seigneur, écoute, Seigneur mon Dieu, ta voix, et je mets en pratique ce que tu dis. Seigneur mon Dieu, Père, dans ta présence, je suis lavé, je suis purifié, je suis sanctifié, je ne suis plus la même. Dans ta présence, Éternel, dans ta présence, il y a ce que je ne peux pas trouver ailleurs. Seigneur mon Dieu, dans ta présence, Éternel, oh mon Dieu, j'apprends, Seigneur, j'apprends, oh Éternel mon Dieu, à faire taire ma chair, à laisser mon esprit, Seigneur mon Dieu, paraître, à laisser mon esprit, Seigneur mon Dieu, ô Éternel Père, grandir, grandir, grandir avec toi, dans ta présence, Éternel, mon cœur est transformé, mon cœur est transformé, il n'y a plus aucune méchanceté, il n'y a plus aucune méchanceté, il n'y a plus aucun désir de la chair, aucun désir de la chair, il n'y a plus, Seigneur mon Dieu, des choses qui me poussent, Éternel mon Dieu, ô Père Éternel, à détester mon frère, à détester ma soeur, oh Éternel, à jalouser mon frère, à jalouser ma soeur, dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence, que notre foi soit dans ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur, j'apprends à te connaître. C'est en toi que nous trouvons, dans ta présence, que nous trouvons l'eau du salut. Laisse-nous boire encore, laisse-nous demeurer là, comme Éléazar qui pouvait dire, je me tiens près de la source d'eau. Oui, nous voulons nous tenir près de toi, Seigneur, toi qui es la source. Nous venons, Seigneur éternel, demeurer près de la source. Alléluia. Nous ne voulons pas aller loin, nous ne voulons pas aller loin, mais nous voulons demeurer. Capacite-nous pour demeurer à l'abri du Très-Haut. Capacite-nous pour demeurer. Demeurer, Seigneur, dans cette intimité. Demeurer là où nous pouvons voir. Alléluia. Là où nous pouvons puiser avec joie. Oh Père. Demeurer, Seigneur. Nous avons un papa. Nous avons un Père qui est magnifique et qui fait des choses extraordinaires dans notre vie. Oh Père. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui nous dirige dans sa grandeur. C'est lui qui nous fait du bien. Notre papa. Notre papa. Abba. Abba. Notre source. Alléluia. Notre source. Notre source. Notre source. Tu as prévu, Seigneur, une porte de sortie. Là où il n'y avait plus de sortie, où tout était bloqué. Merci, tu as prévu, Seigneur, alléluia, oui, dans ta stratégie divine, merci, pour un couple, pour un frère, alléluia, pour une sœur, tu as prévu des solutions. Merci, tu as prévu, merci, Seigneur, ta grâce. Merci. C'est pourquoi nous venons boire ce matin à la source de la grâce. Sois magnifié, sois exalté, Papa. Merci. Toi qui prends soin de nous merveilleusement. Merci, toi qui nous donnes le pain, merci, le pain qui vient du merci, ciel. Seigneur. Alléluia. Et nous n'aurons plus jamais faim. Alléluia. Nous n'aurons plus jamais soif. Mmh. Oh oui, car il est écrit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Nous sommes la paix. Et il n'y aura plus jamais nous soif. Nous sommes venus pour boire, Seigneur, à satiété. Nous ne sommes pas venus avec un gobelet. Nous ne sommes pas venus avec un seau. Nous ne sommes pas venus avec une gourde. Oh oui, nous sommes venus avec des millions et des millions et des millions de citernes. De plusieurs mètres cubes, alléluia, des milliers de mètres cubes. Nous sommes venus puiser, Seigneur. Oh oui, remplis-nous et que notre coupe déborde. Que notre coupe déborde. À la table de notre Père, nous sommes assis. Dans ta présence, à la table de notre Père, nous sommes assis. Nous sommes assis en ta présence. Et tu veilles sur nous. Louange et honneur, gloire et majesté à toi. À toi, Père. Oui, toi qui nous as donné cette dimension du ciel ouvert. Merci. Merci parce que le ciel est ouvert et tu es présent. Libre cours à toi, Père. Merci. Libre cours à toi, Seigneur Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Gloire à l'amour. Alléluia. Gloire à l'amour. Maintenant que vous êtes dans la présence de l'Éternel, je voudrais qu'on parle un peu plus de la présence de l'Éternel. Beaucoup, en fait, ne se laisse pas conduire dans la présence de l'Éternel. On vient juste, on prie, et puis on parle, et puis on part. Pourtant, quand si on reste un peu plus, et que
C'est comme un peu se blottir dans les bras de ton père. Vous voyez? Tu viens dans les bras de ton père et tu dors juste. C'est là où tu te reposes. Tu oublies le monde, tu oublies tout ce qui se passe. Tu oublies tout ce qui se passe. Tu viens juste te blottir dans les bras de papa. Vous voyez? Vous en avez besoin. Dans ce monde où il y a tellement de mauvaises choses qui se passent. Dans ce monde où le diable a tellement travaillé, il a tellement poussé les hommes à faire le mal. Vous avez besoin de la présence de Dieu. Vous avez besoin de vous ressourcer là-bas. Vous avez besoin de ressentir son amour. Vous avez besoin de ressentir sa présence. Vous avez besoin de ressentir, juste d'écouter comment son cœur bat. Et quand vous entendez son cœur battre, vous saurez alors que ce cœur qui bat, ça bat pour moi. Le cœur de Dieu bat pour moi. Et quand ça bat, c'est pour, en fait, pour dire: ma fille, mon fils, je t'aime. Mon fils, je t'aime. J'ai envie que quelqu'un ressente cela. Papa t'aime. Ressens l'amour de ton père dans sa présence. Pourquoi est-ce que nous promenons de regards inquiets? Il dit: je suis ton père. Je donne au-delà, comme, pas comme vos pères terrestres. Vos pères terrestres vous donnent des bonnes choses. Mais moi, je vous donne au-delà des bonnes choses. Je vous donne ce qui est correct pour vous, ce qui est parfait pour vous. Alléluia. Il nous donne le parfait. Il Amen. Nous donne l'agréable. Il nous donne ce qui est meilleur. Alléluia. Que chacun de nous, dans la présence de l'Éternel, réalise que le Seigneur aussi t'a créé. Il t'a créé, il te considère aussi comme son fils. Il est aussi là pour toi, il est là pour toi, il est ton père. Il a un plan merveilleux pour toi. J'ai envie d'entendre quelqu'un dire amen. Amen. Il a un plan merveilleux amen. Pour toi. Sa présence, c'est dans sa présence que tu te rends compte que non, mais ce monsieur même, oh Dieu, j'appelle ce monsieur, mais ce vieux même, il est plus vieux que nous, il est beaucoup plus grand que nous. C'est cette grandeur même, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Pour toi, il a envoyé son fils mourir sur la croix. Pour toi, il a payé le prix fort. Pour toi, parce qu'il t'aime. Il t'aime, il t'aime. Ressens cet amour là où tu es. Ressens l'amour de papa. Ressens l'amour de papa. Ressens l'amour de papa. Ne promène plus de regard inquiet. Dis à ton cœur de s'apaiser. Parce que ton père qui est là, il va intervenir dans ta vie. Il viendra faire des choses qui ne se sont jamais faites avant. Ton père vient. Ton père vient. Ton père vient. Il vient te sortir de là. Il vient te secourir par sa droite triomphante. Ton père vient. Ton père vient. Il vient te donner le meilleur. Il vient te donner le meilleur comme personne ne t'a jamais donné. Tu penses que le bon mariage c'est juste pour les autres? Est-ce que tu penses que les richesses ici sur terre c'est juste pour les autres? Est-ce que tu penses que le ministère c'est juste pour les autres? C'est aussi pour toi. C'est aussi pour toi. Alors ressens cet amour de Dieu. Ressens cet amour de Dieu. Maintiens la présence de Dieu dans ta vie. Maintiens la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce matin. Alléluia. Ce matin, nous sommes dans merci la joie Jésus. Parce que papa est à la maison. Alléluia. Nous sommes dans la joie et ressentez cette joie. Nous voulons simplement ce matin nous dire que papa est à la maison. Il est dans votre foyer. Le problème des fois, c'est que nous ne réalisons pas la présence de Dieu. La Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Mais il y a plusieurs choses, des problèmes, des circonstances, des défis du quotidien qui des fois nous font oublier, nous font faire en sorte que notre conscience soit diluée par rapport à la présence de notre papa. Lorsque papa est à la maison, on sent sa présence. Même si il n'est pas dans la même pièce que vous, vous savez que papa est là. Alors, si vous n'êtes pas conscient de sa présence, il ne vous est pas vraiment facile ni accessible cette possibilité de jouir de ce qu'il a emmené, ce qu'il a avec lui, de ce qu'il est. Il est véritablement dans le désir de nous faire du bien. Amen. La Bible dit: je me tournerai vers vous.
je me tournerai vers vous. Je vous ferai grâce. Je vous ferai du bien plus qu'autrefois. Amen. Parce que je veux que vous soyez habités comme auparavant. Amen. Lorsque papa est à la maison, il veille sur vous. Mmh. Il vous regarde, il sait voir chacun. Il te connaît par ton nom. Amen. Même si physiquement, comme ça, dans la vie physique, tu n'as pas connu ton père. Tu n'as pas grandi avec ton père. Tu n'as pas connu cette affection paternelle. Je te demande ce matin de laisser libre cours au Saint-Esprit de te faire réaliser que Dieu n'est pas un père comparable au père biologique, physique. Amen. Il est plus que nous. Il est plus qu'un homme. Amen. Et il est véritablement bienveillant, tel que le mot le dit. Il est bienveillant. Il veut te faire du bien. Amen. Sois seulement dans sa présence. Alléluia. Crois qu'il est là. Amen. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ce qui se passe maintenant dans ton foyer, tu pleures, tu as mal, tu ne sais pas comment sortir de là. Il se passe un conflit maintenant que tu ne sais pas comment arranger. Sache que tu n'es pas seul. Papa est là. Le Père Céleste est là. Il y a une chose que nous avons remarquée, c'est que lorsque les disciples sont allés vers Jésus pour lui dire « Apprends-nous à prier. » Il n'a pas commencé par beaucoup de choses. Il a dit « Dites notre Père qui est aux cieux. » Votre Père est aux cieux. Mais il y a une chose, c'est que lorsque nous parlons des cieux, la plupart des gens s'imaginent les nuages. Non. Nous avons découvert par la grâce du Saint-Esprit que les cieux sont les cieux de notre cœur. Hein? La Bible nous dit que j'ai été transporté au troisième ciel. Et ce troisième ciel, je pouvais le voir comme de mon cœur. C'est là que nous pouvons comprendre que Dieu est là. Votre Père Céleste est là dans votre cœur. Il est là et il est bienveillant. Il veut vous faire du bien. Alors, sentez-vous libre de vous approcher de lui. Sentez-vous libre de rester dans sa présence, même si vous n'avez rien à dire. Il veut simplement. Vous savez, des fois, vous vous dites, je veux aller dans la présence de Dieu, mais Dieu aussi a besoin de notre présence. Nous voyons dans Genèse, il venait dans le jardin. Il venait pour être dans la présence de l'homme. Il est venu chercher. Il avait l'habitude de venir dans le jardin, être dans la présence de l'homme. Dieu veut aussi être dans votre présence. Alors soyez conscient de lui. Laissez-lui la chaise qui est à côté de vous. Quand je parle de la chaise, ça dit, soyez tellement conscient de sa présence que votre conversation avec lui peut être comme quelqu'un qui est à côté de vous. Il n'est pas loin. Et des fois, vous n'avez pas besoin de beaucoup parler. Lui dire simplement, papa, je t'aime. Amen. Papa, je t'aime. Et papa, il y a donc notre frère qui nous a écrit. Amen. On va prier pour lui avant de clôturer. Si vous aussi, vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à nous envoyer. On prendra un sujet par jour et on priera vraiment pour vous. Alors, le frère a dit ceci. Il s'appelle, on ne va pas citer son nom, mettons, prions pour le frère M. Le frère M dit ceci. On a vraiment besoin de l'aide du Seigneur afin qu'il ouvre sur nous les portes du ciel pour Natomalana, pour qu'on se marie. Nous sommes fatigués de cette vie. Nous voulons aller chez nous. Est-ce qu'on peut prier pour ce frère? Il a besoin du secours de l'Éternel. On porte sa cause devant la présence de Dieu. Alléluia. Le frère M a besoin que le Seigneur intervienne. Alléluia. Il y a des personnes qui vivent vraiment, ils n'ont vraiment pas grand-chose. Ils ne savent pas comment faire pour se marier. Yes. Mais nous, on a découvert justement que c'est papa qui marie ses enfants. C'est papa qui marie ses enfants. Et papa qui marie ses enfants, nous l'appelons pour qu'il marie aussi notre frère. Oui. N'oublions pas que c'est lui qui décide, qui met tous les moyens et toutes les batteries en marche. Il dit, il n'est plus bon que l'homme soit seul. Il décide maintenant de vous marier. C'est lui. Alors allons vers papa et demandons-lui, Père, dis la parole qu'il faut
décide afin de changer la situation de notre frère. Oh Éternel, nous prions pour notre frère M. C'est en Seigneur, nous venons Éternel, mon Dieu, dans l'humilité, Seigneur. Voilà la dimension de l'accord. Que Père, mon Dieu, tu puisses agir, intervenir. Tu es celui qui marie tes enfants. Tu es celui qui marie tes enfants. Tu es celui qui marie tes enfants. Alors lève-toi, Seigneur. Lève-toi dans la vie de notre frère M. Lève-toi, Seigneur, dans la vie de notre frère M. Seigneur, mon Dieu, Père, rencontre-les lui et sa fiancée. Que ta parole maintenant soit libérée. Va avec eux, Seigneur, mon Dieu, Père. Seigneur, mon Dieu, tout puissant, Seigneur, mon Dieu. Réalise toutes choses, qui accomplit tes promesses. Ils veulent se marier, Seigneur. Ils veulent se marier, Seigneur, parce que toi tu es avec eux. Selon ta parole, de se marier en Christ. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi de toute ta gloire. Cette alliance qui est la nouvelle alliance pour leur permettre. Agis, Père. D'avoir un mariage que toi tu adresses. Toi le roi des rois. Éternel. Toi le Seigneur. Alors qu'ils ont foi en toi. Honore leur foi et honore les Seigneurs. Père, honore leur foi et honore les. Honore les par un signe, par des miracles, par un prodige, Seigneur, dans ce processus de mariage. Seigneur, c'est toi, ô Éternel, qui les maries. Tu donnes, Seigneur éternel, tous les moyens spirituels, les moyens physiques, les moyens économiques et financiers, Seigneur, la logistique, afin, Seigneur, qu'ils voient. Et combien tu les aimes, combien tu les aimes, démontre ton amour, démontre ton amour, Seigneur, mon frère M, démontre ton amour, parce que tu es véritablement leur Père, tu ne les abandonneras pas, tu ne les délaisseras pas, parce que tu es fidèle, fidèle à ta promesse, fidèle à ta parole, et fidèle, Seigneur, ils n'ont pas d'autre endroit pour aller toquer, ils sont d'abord venus toquer à ta porte, ils sont venus toquer à ta porte. Le Dieu de Éden, le Dieu de Roliam, viens Seigneur le relever, le Dieu de la famille accomplie, nous t'invoquons. Ce voile éternel, parce que tu es notre Dieu. Éternel, mon Dieu. Oui. De voir, de regarder. Alléluia. Seigneur, viens travailler en eux, Éternel. Manifeste-toi. Père, s'il te plaît, interviens. Donne-leur, Seigneur, s'il te plaît, fais-leur du bien. S'il te plaît, Seigneur, mon Dieu, Père, réunis-les. S'il te plaît, Seigneur, réunis-les. S'il te plaît, réunis-les. S'il te plaît, fais-leur du bien. S'il te plaît, marche avec eux. S'il te plaît, Seigneur, mon Dieu, ne fuyons pas. S'il te plaît, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, que leur âme soit restaurée. Restaurée par ta parole. Restaurée par le sang de Jésus. Et que, Seigneur, cette âme, leur âme soit comme un pont qui reçoit, Seigneur, cette dimension spirituelle. Car il est écrit, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci parce que tu leur as ouvert les yeux, qu'ils voient l'accomplissement de la parole fidèle au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, nous allons prier aussi. Nous allons prier pour tous les célibataires que vous connaissez. Même si c'est vous, même si c'est votre frère, votre soeur. Dans votre famille, vous pouvez remarquer que jusque-là, l'âge avance, mais les réalisations de mariage ne sont pas encore totales. Vous savez, la joie d'un père, d'une mère, c'est de voir tous les enfants qui ont grandi et qui sont maintenant mariés, casés, ils sont chez eux. C'est la joie de voir cette multiplication, cette reproduction. Alors, lorsque ce n'est pas encore total, il y a quand même encore ce souci, ce manque. Mais nous savons que l'Éternel est le bon berger. Nous allons faire cette dernière prière et nous allons clôturer. Nous allons invoquer le bon berger. Il faudrait peut-être dire ceci, c'est qu'il y en a qui peuvent faire vœux de célibat pour le Seigneur. Oui, mais ce dont on parle ici, on ne parle pas des personnes qui ont fait des vœux de célibat. Ceux qui font les vœux de célibat, ils vivent loin du sexe, ils vivent dans la consécration, vous voyez. Maintenant, pour des personnes qui devraient normalement, qui sont dans la vie pratique de la sexualité, qui vont de partenaire en partenaire et qui disent après, moi je ne suis pas fait pour se marier, en fait, ce sont ces personnes-là qui ont des problèmes et le Seigneur doit les visiter. Il faudrait que ces personnes soient visitées. Il faudrait que ces personnes sortent de leur état de désordre sexuel pour maintenant être
maintenant choisir une vie de pureté dans le Seigneur. Et le Seigneur les conduit dans une vie de mariage, voilà, où ils vont voir la main de l'Éternel. Alors prions, alléluia, qu'ils rencontrent d'abord Christ, amen, afin qu'ils soient ramenés dans une, amen, vie normale que Dieu a prévue, et vrai, qu'ils entrent dans le plan du mariage que Dieu a prévu pour eux. Prions, merci. Seigneur. Merci, Seigneur, Père, merci pour ces personnes, Seigneur, éternel, mon Dieu, que Père, tu aimes, parce que tu vas aimes maintenant, éternellement, Dieu, sortir le monde du que monde, tu as donné, que tu vas maintenant sortir du monde, sortir, Seigneur, du péché, sortir, Seigneur, que tu vas sortir, frères, éternel, au mon Dieu, monde, de tout ce qui est, éternel, mon Dieu, du mal. Seigneur, tu vas les sortir, mon Dieu, tu vas les sortir. Je crie pour ces célibataires éternels qui sont en train de chercher, Seigneur, mon Dieu, une personne, quelqu'un qui, Seigneur, qui va tenir leur main, qui va tenir dans la, Seigneur, main pour avancer, éternel, avec toi, s'il te plaît. Toi, Seigneur, mon Dieu, mets l'éternel sur un bon chemin, mets l'éternel sur une bonne voie, mets l'éternel, mon Dieu, là où, Seigneur, ils pourront, éternel, te voir, oh mon Dieu, mon roi Jésus, là où ils pourront te rencontrer, Seigneur, et toi, tu vas les faire rencontrer, éternel, mon Dieu, alors partenaire que tu as prévu pour eux, Seigneur, que tu les connectes véritablement par cette dimension de connexion divine, par le Saint-Esprit, que tu les connectes à la bonne personne, remplis-les d'abord de toi, à la bonne personne. Nous voulons, Seigneur éternel, que tu travailles dans leur vie en le faisant passer par la porte des brebis, la porte du fumier, et que, Seigneur, à la porte de la source, que tu puisses, Seigneur, les construire, les préparer, afin, Seigneur, de les connecter à leur conjoint que toi tu as prévu, leur conjoint, le conjoint de la destinée. Le conjoint de la destinée. Oh mon Dieu, le conjoint de la destinée. Oui, Seigneur, nous nous tenons près de la source d'eau afin d'intercéder en faveur, Seigneur éternel, de tous nos frères et nos sœurs qui sont encore dans le monde. Mais Seigneur, que toi tu aimes. Éternel, notre Dieu, nous savons, Seigneur, que tu as un conjoint. Tu as un conjoint pour mon frère et ma sœur, le conjoint de la destinée. Fais en sorte, Seigneur, qu'ils viennent aussi près de la source d'eau. Que nos frères viennent aussi près de la source d'eau. Afin, Seigneur, que la femme qu'ils attendaient, que le frère qu'ils ont toujours désiré, qu'ils puissent les rencontrer près de la source d'eau, c'est-à-dire dans ta présence. Dans ta présence, fais cette connexion divine, oriente cette connexion divine, réalise cette connexion divine à cause, Seigneur, de ton amour, à cause, Seigneur, de ton amour, parce qu'à la croix, Christ a déjà tout accompli, Christ a déjà tout accompli, au nom de Jésus-Christ. Nous allons déclarer en cette semaine. Cette semaine est la semaine que Christ lui-même prend le contrôle. Alléluia. Il règne. Alléluia. Il règne dans nos familles. Alléluia. Il règne dans nos vies. Et son amour se répand sur nos vies et nos, merci, familles. Seigneur. Selon qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. En cette semaine, nous proclamons le salut pour toutes nos familles, amen, pour tous les membres de nos familles, amen, même ceux qui n'étaient pas encore chrétiens, nous proclamons le salut, le plein salut, le plein, amen, salut en Christ Jésus. Mmh. Et nous déclarons, oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habitons dans la maison de l'Éternel jusque dans l'éternité. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la paix du Seigneur, le shalom de Dieu, soit votre partage, car il est véritablement présent. Alors cette semaine, on va apprendre, ou sinon on va parler de comment maintenir la présence de Dieu dans votre couple. C'est important. La présence de Dieu, vous en avez besoin. C'est la présence de Dieu qui crée des miracles. C'est la présence de Dieu. En réalité, un couple qui maintient la présence de Dieu, qui sait maintenir, parce qu'il ne faut pas seulement demander la présence de Dieu, mais maintenir la présence de Dieu. Un couple qui se tient comme ça, qui sait maintenir la présence de Dieu, rien ne lui résiste. Ce couple-là est fort. Ce couple-là va plus loin. Il triomphe. Ce couple-là est vraiment s'épanouit dans le Seigneur. Et peu importe le plan qu'on formera contre ce couple, ce plan-là sera sans effet. Au nom de Jésus. Et il y a une chose aussi qu'il faut retenir, c'est que
La présence de Dieu est plus grande que le miracle. La parole de Dieu, sa promesse est plus grande que la prophétie. Donc, il faudrait être conscient et maintenir cela dans nos pensées. Nous devons à chaque fois en couple demander la grâce de maintenir cette conscience. Maintenir la conscience de la présence de Dieu. Amen. Car dans sa présence, il parle. Et quand il parle, les choses changent. Amen. Les choses s'améliorent. Et les choses vont s'améliorer pour le couple cette semaine. Exactement. Nous bénissons Dieu. Moi, je suis déjà heureuse. Je peux déjà commencer à danser. Moi, j'aime danser avant que les choses ne se fassent. Amen. Donc, je vais commencer à danser aujourd'hui. Et jusqu'à la fin de la semaine, nous allons encore plus bénir l'Éternel. Exactement. Parce qu'il aura fait des choses encore extraordinaires. Exactement. Moi, j'attends l'Éternel agir cette semaine. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux que l'Éternel agisse cette semaine. Je veux le voir dans sa grandeur. À partir d'aujourd'hui. Hein? Je ne dis pas, vous savez, à quand on dit... d'aujourd'hui. Quand on dit cette semaine, peut-être oui. Vous pensez, ah, jusqu'à dimanche, non. Non, on parle de cette semaine parce que c'est lundi. À partir de maintenant. On veut voir comment lui, papa, hein? Comment papa, il prend soin de ses enfants. Comment il vient, il entre dans leur cœur, il fait des choses extraordinaires pour eux. Et vous savez, quand on dit que Dieu est bon, quand on dit que Dieu est grand, quand on dit que Dieu est puissant, c'est pas seulement pour parce qu'on a lu ça dans la vie d'Abraham, dans la vie de Jacob, dans la vie d'Isaac, dans la vie d'Israël. Non, mais quand on le dit, c'est parce qu'on l'a vécu. Amen. Je veux vivre chaque attribut de Dieu dans ma vie. Amen. Je sais pas pour vous, mais moi, je le veux. Désirez-le. Et je veux aussi que vous puissiez le vouloir. S'il est bon, ça veut dire que je dois vivre la bonté de Dieu. S'il est grand, je dois vivre la grandeur de Dieu. S'il est un bon berger, je dois vivre en fait le fait qu'il sait comment paître ses brebis. Je dois le vivre. Et on a dit, je ne manquerai de rien. La Bible nous parle du pain quotidien. S'il y a un pain quotidien qui existe, je veux manger mon pain quotidien. Je ne veux pas, il ne faut pas qu'il y ait de délestage. Personne ne vit avec de délestage de bouffe. Vous voyez, il faut que je vive. Je mange ce pain tous les jours. Je me réveille et je dis que ce pain-là est là pour moi. Disponible pour moi. Disponible pour moi, Seigneur. Merci. Et donc, on a fini. On se retrouve donc. Mais je voudrais quand même voilà. Cette opportunité pour tout celui qui désire la présence de Dieu, qui désire un changement par la présence de Dieu. La porte s'est passée par Jésus-Christ. Amen. Tu es là, tu étais connecté, ce n'est pas un hasard, mais tu étais connecté, tu as écrit sur la page. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ t'aime, alors donne-lui sa vie. C'est facile, fais seulement cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je suis fatigué de marcher dans Amen. Cette vie de péché. Amen. Je suis fatigué d'être manipulé par le diable et toutes sortes de connaissances impies. Maintenant, je renonce au péché. Je renonce au mal. Je t'invite dans ma vie. J'ouvre mon cœur. Deviens mon Seigneur et Sauveur personnel. Je renonce au mal. Je renonce à Satan. Je renonce au monde. Je renonce à toutes ces choses qui avaient hier de la valeur. Sois le plus précieux dans ma vie. Que ta présence remplisse ma vie et que tu changes mon existence. Que ma vie devienne un témoignage. Amen. Et que ma famille soit aussi sauvée. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es devenu enfant de Dieu et tu peux jouir d'une dimension magnifique de son amour dans son saint conseil. Tu peux aller dans son intimité parce que tu es son enfant. Amen. Sois béni. Et accompli. Amen. À demain matin. Bye bye. Ciao,